pour nous capables faire véritablement un espace qui est viable et vivable. Mm-hmm. Sinon, depuis que nous pas mettez-nous d'accord autour de ça, nous avons toujours dans la chirépute, nous avons toujours dans la division, et ceci cap déboucher à un véritable débat, cap déboucher à un véritable catastrophe qui a porté à aller non seulement avenir Timonio, avenir jeune et avenir pays. Vu que l'intérêt par nous, c'est au meilleur, ou demain meilleur pour le pays, nous lançons un appel à la solidarité, à l'unité nationale, en façon pour nous mettre tête ensemble, pour nous capables de mener le pays ça dans une bonne direction. Depuis après de Salim, il y a des gens qui croient, nous ne pouvons pas mettre d'accord sur rien, qui t'a fait que le développement du pays ça est lancé. Par un plan, par un projet national. Et nous pas peut-être garder ensemble une vision qui dit mais ça n'a pas fait, mais comment on a posé le problème dans l'éducation, en santé, économie. Et c'est comme Dakar dit, depuis des salines fin tombé, pas rien qui t'a dit nous voulons rester, nous voulons faire payer ça en véritable nation et faire enfin, depuis lui. Oui, depuis après l'an mon papa nation, hein, nous remarquons, j'ai que nous avons dit tout à l'heure, fracture sociale là. Il prend beaucoup plus d'échelle sous l'unité nationale, sous ce que tu as de souder nous. Et grande bagarre qui t'a de souder nous, matin, c'est l'idéal des saliniens. Ça qui dit que tout citoyen, quelle que soit couleur, quelle que soit hauteur, quelle que soit origine sociale, économique et politique, nous tous sommes haïtiens. Vu que nous tous sommes haïtiens, nous devons mettre nous d'accord. Pour nous dire que tout pays, tout espace, côté qui gagne mon cap vivre là-dedans, il y a une façon pour nous vivre. Pour vivre, il doit avoir accès à un environnement qui sain. Pour vivre, il doit avoir accès avec une éducation de bonne qualité. Pour vivre, chaque monde doit avoir accès à la santé. Chaque monde doit avoir accès avec un régime alimentaire nous capable de dire plus ou moins efficace. Mais pour ça, au fait, c'est nous tous qui devons engager nous. C'est nous tous qui devons prendre responsabilité nous. À un niveau ou à un autre, en façon pour nous capables de mettre le pays ça véritablement sous rail que nous tous nous-mêmes nous souhaitons que l'y aller. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est le seul grand attachement que nous avons, c'est le pays d'Haïti. C'est lui-même qui maman nous toutes, c'est lui-même qui soude nous toutes entre nous. Vu que lui-même soude nous toutes entre nous, on nous fait de l'y priorité. Et là, nous fait de l'y priorité, nous croyons que nous avons inculqué de la vision et de l'idéal des saliniens en façon pour nous capables d'aller vers l'avant. 212 années après, qu'est-ce que ça fait jusqu'à présent nous là toujours? En société qui a toute disparité ça, en société nous pas qu'à cohésion nationale là, nous pas qu'à faire, nous pas qu'à entendre nous pour nous concerner, ça n'a pas avec bout de tête ça, nous en plus fois qu'on ne s'en parle mais nous pas forcément 212 années qu'on ça nous voulait et qui fait grand pile fraction nous yo qui pas aucun d'accord dit espoir dans ça, qui pas voulait porter coller pas yo, qui aller impliquer disons mieux dans le développement pays, à qui ça passé selon vous? Bon, 212 ans après, c'est parce que gain une certaine, on capable de dire, méfiance qui traduit toute disparité. Ça. Méfiance dans le sens que si c'est vous qui l'a, c'est pas moi, on va obliger de faire confiance. On va obliger de quitter ou même ou aller pour moi qui ça que ou même ou souhaiter faire. Et depuis 1806, c'est tout ça qu'on a fait. Nous avons Christophe dans le nord, Pétion dans l'ouest, Rigaud dans le sud. Qui donc, l'un, moi, papa de Saline, les débouchait avec la division. Même si que, tu as pile des démarches qui t'ont essayé, qui t'ont entreprendre, en façon pour te consolider tout le pays, pour te essayer unifier tout le pays. Mais jusqu'à présent, ça n'est pas arrivé. Et c'est autour de ça que le bureau du ministre chargé de la citoyenneté et du patriotisme n'a pas travaillé autour de ça en façon pour faire connaître le jeune haïtien, l'homme haïtien, la femme haïtienne, que c'est un pion important, que c'est un élément prépondérant dans mettre pays ça sur le développement. Et pour le fait, nous croyons que chaque monde doit compter. Tout le monde doit compter. Sans tenir compte de origine sociale, politique, ethnique et religieuse monde. Et là que travail ça lui-même fin fait, n'a pas véritablement que pays que nous souhaitons, c'est lui-même que nous avons bien. Mais tout autant que nous pas d'accord pour nous faire un coup d'à-coude, pour nous dire que Haïti c'est dénominateur commun, pour nous dire que c'est projet ça que nous devons travailler autour de lui-même
dans 10, dans 20, dans 30 ans qui viennent pour nous faire payer ça. Un pays qui doit prendre place sur le camp mondial, là, n'a toujours n'a recommencé. Et recommencer à être capable, peut-être bon pour un grand monde, capable, peut-être bon pour un clic de monde, mais pour la majorité, mais pour la collectivité, là, toujours pas bon pour lui. Et c'est autour de ça pour nous devons aller. Tout le monde qui est dans tous 10 départements, nous devons porter réflexion nous, autour de ça. Pour nous connaître que Haïti c'est nous et nous c'est Haïti, nous devons travailler dans l'intérêt Haïti. 212 années après, il y a toujours un point d'équipe qui a été trouvé l'emprunt. Il n'y a pas aucune disposition ou bien aucune de données qui dit ça que tu passé vraiment et pour rouge là, ça que tu fait que l'emprunt est à niveau ça. Et qui dit, c'est pas pour ça raison tout, que son justice là est à niveau ça lié tout en Haïti. Puisque 212 années, il n'y a pas fait lumière sur l'emprunt de Jacques Dessalé. Oui, jusqu'à présent, il n'y a pas de lumière qui fait. Mais si nous avons pour ton quelques éléments de réponse, c'est la division qui tue l'impôt. C'est l'intolérance qui tue l'impôt. C'est pas comprendre l'autre là qui tue l'impôt. Et je vous dis, et c'est ce qu'elle sait que nous-mêmes nous avons vu, je vous dis, qui fait que la fracture sociale est tellement arrivée à un point d'élevé, côté que moun peut moun, pas marcher dans la rue, moun n'a peur. Et nous devons utiliser moment ça comme le moment idéal, comme le moment opportun même que nous sommes capables de dire pour nous dire que nous devons relancer notre pays. Nous devons nous souder, nous devons unifier nous pour mener le pays ça côté que nous souhaitons aller avec là. Sinon, l'année prochaine, nous allons nous poser cette même question et nous ne pouvons jamais joindre une réponse que nous souhaitons gagner. Le vrai moment, le moment opportun, c'est maintenant que nous devons faire de l'idéal des Saliniens le nôtre. Comment faire l'idéal des Saliniens ça arriver dans l'école yo? Comment faire arriver dans le jour par yo? Comment faire arriver dans le quartier yo? Qui t'a permettre que finalement l'homme femme haïtien comprenne la nécessité pour le bail participation pâle, pour le jouer partition dans tout ça n'a dit là au matin. Bon, pour le bureau du ministre qui a une mission qui c'est promouvoir la fierté nationale, pendant n'a mis accent sur les valeurs de l'individu comme vecteur de développement durable. Et ceci, quand nous parlons de développement durable, nous parlons d'un développement qui concerne les générations présentes là et qui ne peut pas compromettre le développement génération qui va venir. Et pour ça, il est réuni autour de quatre grands axes. Que nous devons connaître, nous devons travailler sur le dialogue national et la mixité sociale. Nous devons travailler côté que nous promouvoir valeur l'autre jeune qui gagne au niveau de diaspora et nous devons travailler sous accès qui permet à ce que chaque citoyen soit capable de reconnaître l'identité en tant que citoyen. Et l'autre point que nous gagnons, c'est faire une sensibilisation sur le droit, ou du moins sur les droits et les devoirs du citoyen. Et pour nous faire, nous devons commencer à la base. Et c'est ce que nous allons faire qui fait que demain, il y a tout un ensemble de conférences qui sont faites dans plusieurs zones au niveau, dans plusieurs zones de pays. Côté que gain en pile jeune qui a bien pour réfléchir autour de l'idéal des Saliniens. Il y a des conférences qui vont le faire, il y a des assises qui vont le faire, il y a des discussions, il y a des débats qui vont le faire autour de ça pour garder qui côté que nous vivons et qui ça que nous devons faire pour nous continuer à aller vers l'avant. Et le ministre lui-même, dans quatre bureaux que nous croyons que nous devons accentuer sur les valeurs citoyennes, sur les valeurs citoyennes pour nous attacher avec concept patriotisme en façon pour nous gagner un autre modèle de citoyen. Parce que pour nous un autre modèle de pays, il nous faut un autre modèle de citoyen. Et pour nous gagner un autre modèle de citoyen, nous devons former, ou du moins encore, reformer et transformer le citoyen que nous avons aujourd'hui. Si nous ne faisons pas comme ça, nous avons toujours gagné les mêmes résultats. Mais de toute manière, ce citoyen ça, qui doit être sommé pendant ce qu'il a sorti, il faudra peut-être garder une institution de socialisation, l'école, la famille, l'église qui s'est réglée. À quel niveau, n'est-ce pas, nous pouvons assurer que message de civisme, n'est-ce pas, message qu'il y a citoyenneté, message qu'il y a patriotisme, arrivé tout bon vrai dans l'espace ça, qui pourra le faire que nous avons l'autre qualité citoyenne dans l'année qui a privé là. D'ailleurs, il y a un axe que le ministre lui-même travaille sur les selon vision président avec le premier ministre, c'est sensibilisation autour des droits et les devoirs du citoyen. Pas capable d'un citoyen sans droit avec devoir.
Et généralement, citoyens nous yo, du moins encore, haïtiens yo, soit que vous négligez le droit, soit que vous par contre le droit, et des fois tout, vous négligez le devoir. Parce que, on ne peut pas capable de prétendre ou gain droit seulement sans qu'on ait un devoir. C'est comme les deux ailes d'un oiseau. Pour gain droit, il faut gain devoir. Et pour gain devoir, il nécessite ipso facto des droits. C'est ça qui fait que nous avons un axe de priorité que nous gagnons, c'est travail autour d'une sensibilisation nationale autour des droits et des devoirs du citoyen. Et implémentation, vision, ça, implémentation, il y a un plan d'action, il y a un axe prioritaire, bureau ministre qui est chargé de citoyenneté avec patriotisme. Nous pral faire ensemble avec l'organisation de jeunes, nous pral faire avec l'université, nous pral faire avec l'école, avec le lycée, avec l'association de jeunes qui gagnent dans les 10 départements du pays, à travers les 56 communes du pays. En façon, pour nous arriver à les jeunes citoyens, pour nous chita, pour nous discuter, pour nous tendre de les citoyens, pour nous connaître qui ça qui a gagné comme groin, pour nous connaître qui ça qui a gagné comme problème, comme difficulté, et qui ça qui a souhaité qui résout, et puis pour nous-mêmes, pour nous capables de faire et les suites nécessaires en façon pour amélioration la vie population elle-même pour le capable de faire. Et c'est autour de sensibilisation ça et autour de points ça qui fait que nous utiliser, nous choisir année pour nous commémorer 212 ans après la mort Papa Nation, c'est au champ pour Papa Nation qui c'est modèle inclusion pour tout Haïtien. Qui ça activité là-dedans? Qui ça activité liée pour marquer date ça? Bon, activité et généralement de demain si Dieu veut et gouvernement bon, pour c'est-à-dire l'exécutif à savoir le président, le premier ministre et les membres du cabinet ministériel qui a bien pour rendre au pont rouge. Les autres pouvoirs aussi. Oui, les autres pouvoirs et bon, en fait l'État a bien pour rendre au pont rouge et président pour le gagner pour le jeter pour le déposer un jet de fleurs dans l'espace côté que et Papa Nation lui-même il était tombé je quittais 17 octobre 1806 là. Après ça l'État qui pour le déplacer les parler de l'État les représentants des trois grands pouvoirs qui pour déplacer pour aller marcher des salines dans cadre activité qui toujours faite dans période ça. Mais tu as gagné tout un concours qui était lancé pour jeunes écoliers sous direction du ministère de l'éducation nationale et formation professionnelle. Comment ça y est? Bon et pour le présent moment, nous sommes capables de dire que nous avons des avancées qui ont fait dans le cadre de César. Mm-hmm. Mais nous n'avons pas bien un but pour nous parler de finalisation, ou du moins encore dans quel niveau que vous avez avec et une telle initiative. D'ailleurs, c'est une initiative qui est louable, qui mérite vraiment applaudir parce que nous allons pour recueillir la réflexion des jeunes autour. Le grand idéal, ça que nous-mêmes n'avons essayé pour nous voir, que nous avons essayé de faire pour mon champ de l'IA. Mm-hmm. Et je pense que nous avons arrivé par recueillir de très belles réflexions, de très belles analyses qui ont sorti en bas de plume et jeunes citoyens que nous gagnons, ou du moins ça pour jeunes haïtiens avec jeunes haïtiennes que nous gagnons. À quel niveau le bureau ministre chargé de questions citoyennes à patriotisme a indiqué dans l'ensemble d'activités qui va marquer 212 l'année depuis qu'il a été assassiné? Jean-Jacques Dessalines. Bon, bah c'est que ça c'est un premier point. Ça c'est un élément essentiel qui s'est venu parler avec le public, venu parler avec la population. Mm-hmm. Pour faire connaître, premièrement, autour de qui thème qui a commémoré 212 ans de la mort Papa Nation. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est au champ pour Papa Dessalines qui c'est Papa Inclusion tout haïtien. Et il méritait au champ véritablement. Et c'est le premier aspect ça que nous voulons faire public là, les mêmes connes. Mm-hmm. Et deuxièmement, déjà que M. Dil tout à l'heure, il y a tout un ensemble d'activités qui ont fait durant la période ça. Là, nous parlons de période à partir du 17 octobre. C'est des conférences, des réflexions qui ont fait autour de l'idéal des Saliniens, qui ont fait dans plusieurs communes en deux pays. Mm-hmm. En façon, pour aider nous à pousser réflexions davantage. Sous qui ça des salines lui-même était représenté pour nous. Et en plus, le travail a fait avec un pile d'autres jeunes entrepreneurs qui gagnent dans plusieurs communes en Labéga. Parce que quand pile jeunes, pour le présent moment, comme nous avons remarqué, gagnent un pile de travail qui a fait pour promouvoir l'entrepreneuriat, surtout chez les jeunes. Et
jeunes entrepreneurs, en pile là-dedans, gain des activités qu'ils peuvent entreprendre avec l'autre jeune entrepreneur, non seulement pour avoir des formations plus ou moins avancées sous initiative et projet qu'ils ont, et sensibiliser autour de implication et participation par eux, n'en faire pays à avancer surtout sur le plan économique. Qui plus bon façon selon quoi nous avons marqué date ça, 17 octobre 2018 là. Qui plus bon façon, qui plus bon comportement, qui gens ou quoi, n'est-ce pas vrai, haïtien tout partout sur la terre bénite a dû servir à date ça selon. Bon, ben c'est que la meilleure façon, façon qui essentiel là, qui est plus important que nous avons marqué date ça, c'est faire de lui une véritable journée de réflexion, une véritable journée de sensibilisation, une véritable journée pour nous faire un petit bac sur nous-mêmes, pour nous faire un petit retour autour de nous-mêmes. Non seulement par rapport avec le niveau de responsabilité que nous-mêmes nous gagnons en tant que citoyens, et garder tout, qui gens que nous sommes capables de faire de date ça, véritablement le moment pour souder les différentes couches de la population, pour recoller les différents morceaux qui ont été brisés, pour nous capables de faire un seul, pour nous aller selon la vision même du père de la nation, rejoindre avec vision président avec le ministre, pour nous mener pays ça dans la direction que nous devons mener. Et si nous faisons de journée ça une véritable journée de réflexion, d'analyse, et pour nous tirer une leçon qui est capable d'utiliser nous tous, nous croyons que l'année prochaine, nous sommes capables, en termes de bilan, si nous avons bien pour nous faire, nous pensons que l'actif là, la nettement plus beau passé passif là. La réflexion qui genre, réflexion sur qui ça, réflexion comment? Bon, déjà que nous avons dit tout à l'heure, quand il travaille qu'il a fait, qui va le fait demain, autour de commémoration de date là, des conférences, des débats, des journées portes ouvertes, etc. Des activités cap faites en façon pour réunir tout le monde. Parce que l'État, le pouvoir exécutif et les autres pouvoirs, ils ont un travail par eux qu'ils ont fait. Et chaque citoyen, ils ont un travail par eux qu'ils ont fait autour de date ça. Pour faire de date ça, véritablement, une date inoubliable. On a dit que 17 octobre 2018, c'est où nous avons que nous avons plus bien commémoré la mort de Papa Desali. Mais son date qui est tristement célèbre dans l'histoire du pays. Parce que quand même, son date qui fait nous songer assassinat. Oui. Si l'acte de l'indépendance, c'est quand même tristement célèbre. Son date. Tristement célèbre, justement. Maintenant, on dit quand même son date inoubliable. C'est vrai qu'on ne peut pas oublier, mais quand même, il quitte un goût amer dans la bouche tout haïtien. Oui, parce que l'on a rappelé nous dans une situation crapuleuse que Papa Nation a tombé. Il a lâchement tué le Pont Rouge. Il a lâchement assassiné. Il a lâchement retiré rêve un jeune garçon qui était voulu un pays qui est fort, qui était voulu une nation qui est solidaire, qui était voulu une nation qui est unie, qui était voulu un pays côté que chaque monde qui a vécu là-dedans est capable de manger, qui était voulu une nation côté que chaque monde qui sentit qu'il est persécuté est capable de vivre une jeune mot sur liberté là-dedans. Son rêve, son vision, son idéal, son projet qui était éliminé, qui était détruit, qui était tombé le jour qui était 17 octobre là. Qui donc, en tant que citoyen qui est responsable, en tant que citoyen qui croit que le bonheur pays dépend de lui-même, nous ne sommes pas capables de quitter la date de sa passé comme une lettre à la poste. Ça fait que j'en suis dit d'ailleurs, son date qui est tristement célèbre et qui a prêté indélébilement manqué dans que nous chaque citoyen qui aimait pays ça et qui souhaitait que pays ça lui-même le développe. Je veux dire là, il a fait de bon temps pour nous travailler, pour nous honorer mémoire et Jean-Jacques Dessalines, qui sont quoi chaque monde doit faire un niveau par eux pour travailler Dessalines respect ça, respect mérité. Pour moi, côté lié, il a senti fier de nous qui là, nous dit, qui a mené une situation, qui a mené un pays, mais qui a agi comme dans la société civile ou bien dans le secteur. La plus grande chose que nous sommes capables de faire, c'est faire une sorte de réconciliation nationale. Les différentes couches, les différents secteurs, à tous les niveaux de la vie nationale, pour nous dire que seul grain de ça que nous gagnons en commun, c'est pays. Et si nous avons un travail que nous avons supposé faire pour nous manquer de ça de façon qui est honorable, c'est
essayer faire une discussion nous capable dit qui vital autour de l'idéal de Saline pour papa nation même dans la molle il est capable dit véritablement à la manière de Toussaint Louverture même si que nous renverser Marcel Domingue mais racine pied bois tronc pied bois en pile il a fini par repousser et que Dessalines dans la molle il est capable dit qu'il est fier de petite lio quel que soit côté que y a vivre au niveau de la diaspora sur territoire national là que nous décidons de mettre tête nous ensemble pour nous pas quitter date ça passer de manière inaperçue pour nous pas quitter le passé comme n'importe quelle date mais pour nous faire de date ça véritablement on déclic de la réconciliation nationale que nous voulons tous. Réconciliation nationale, bon, ça va être très difficile, et puisqu'on se dit, question de unité nationale, cohésion nationale, vivre ensemble, ça va être très difficile, malgré ce qui était ben nous, 1804, on a l'impression depuis 1804, là, nous mettons ensemble, mais il est rare pour que je dise à des groupes d'Haïtiens, chita, autour d'un projet commun, autour d'un bail qui t'a aidé à faire développer un pays, ça. N'est-ce pas un vœu pieux, donc quoi que nous capables finalement mettre ensemble et... Oui, moi je pense que nous sommes capables. Parce que la volonté, c'est un pouvoir. Dès que nous voulons, nous sommes capables. Dès que nous voulons, nous mettons différence de côté. Dès que nous voulons, nous mettons haine de côté. Dès que nous voulons, nous mettons intérêt personnel de côté. Même Jacques Eman et un philosophe allemand dit, nous jouons intérêt par nous pendant que nous défendons l'intérêt collectif. Eh bien, l'est capable de venir on veut, si nous d'accord, véritablement, que tout ça que nous devons faire, nous devons aller dans le sens de l'intérêt commun. Dès que nous choisissons de mettre zigzagis de côté, nous choisissons de mettre division de côté, nous choisissons de mettre haine, de mettre rancœur de côté, bon, c'est que l'est capable de venir on veut. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, la volonté, son grand pouvoir. Dès que nous voulons, nous sommes capables. Mais si nous ne parlons pas, nous ne sommes pas capables de faire un lien que nous souhaitons. Parce que le souhait en lui-même nous suffit. Il faut que nous dosions avec le souhait un maximum de volonté. En façon pour nous capables véritablement aller vers là. Même parce que depuis nous voulons, nous sommes capables. Tout secteur, les trois pouvoirs, toutes les associations qui viennent au niveau du pays, tout le monde, toute couche sociale, politique, économique, religieuse, depuis que nous choisissons les têtes nous ensemble, nous sommes capables de faire un pile de bagages pour nous étonner le monde. Mais ça fait plus de temps d'attendre ça. Ça prend temps pour arriver. Hein? Et quand nous avons perdu l'espoir, là, ça. Bon, je pense que ce n'est pas important pour nous perdre l'espoir. Parce que naissance nous-mêmes en tant que citoyens, en tant que haïtiens, sous tes papas de Saline, nous sommes capables de dire que c'est pour un hasard. Qui donc, si nous faisons sous terre, nous avons une mission. Et nous avons une mission bien spécifique. Qui mission spécifique liée, c'est travail au bonheur pays. Et bien, qui donc, c'est vrai que nous avons espéré, pendant quelques temps, il n'est pas jamais venu. Mais s'il n'est pas jamais venu, est-ce que c'est pas parce que nous avons mal posé problème là? Mais est-ce que nous sommes pas capables de symboliser, est-ce que nous sommes pas capables de considérer journée aujourd'hui hein, comme la date la plus importante, comme date qui pue nécessaire là pour nous faire de ça que nous avons inspiré pendant plusieurs décennies, pendant deux siècles, qui c'est la cohésion nationale, qui c'est l'unité nationale, qui c'est un seul pays, une seule nation, hein, pour nous faire véritablement moment ça, le moment idéal pour nous aller vers l'avant. Nous croyons que ce n'est pas impossible, nous croyons que l'espoir n'est pas perdu. L'espoir n'est pas perdu parce que il y a des gens, jour et jour, qui décident d'engager, qui décident de responsabilité pour mener le pays dans la direction que lui-même doit aller. Depuis qu'il y a volonté, nous croyons que nous sommes capables. Bon, je souhaite ça et nous faisons songer pour 17 octobre là, il y a une activité officielle qui a été faite. Donc, pour mettre ce pont rouge et à côté responsable dans l'État, le président de la République, premier ministre, et même cabinet ministériel, l'autre pouvoir, après le gain, très certainement pour participer dans la cérémonie solennelle ça. Et tout de suite après, c'est pour le marchand de Saline, la ville de Dessaline, et pour célébration eucharistique et qui pourra être très certainement suivi de ensemble de discours, comme bien pour faire notamment le discours du chef de l'État haïtien Jovenel Moïse. Ce qu'on va nous dire, d'une baguette en dit, puisque nous finissons, Salier, faire un dévers lui. Oui, j'ai que nous t'avons dit tout à l'heure, le ministre
à travers son bureau dans quatre missions que l'IGN qui c'est promouvoir la fierté nationale pendant que nous mettons axe sous valeur humaine, sous valeur monde comme vecteur développement durable qui donc fierté nationale là il doit traverser chaque citoyen chaque haïtien quel que soit côté que vous retrouvez sur planète là pour qu'on ait que ou de fier de pays et pas gain un moyen qu'on capable fier de pays c'est les que ou quoi que en tant que citoyen en tant que national de un pays en tant que yon individu qui est responsable chaque jour chaque moment ou pose une action qui allait dans le sens du bonheur commun qui allait dans le sens du bien commun qui allait dans le sens de la collectivité et nous croyons que le moment est venu il est de bon temps il est de saison pour véritablement pour ça que nous avons souhaité pendant plusieurs temps que moment ça capable de symboliser le moment idéal pour nous réunir les différentes couches de la population, les différentes couches de la nation, pour nous déraper pays ça et puis pour nous capable faire pays ça véritablement un pays qui respecté à l'échelle mondiale et pas des salines lui-même pour le capable d'avoir une certaine fierté pour nous-mêmes journée aujourd'hui qui occupait espace ça que lui-même était bataille pour lui qui fait que depuis 1er janvier 1804 nous finissons proclamer l'indépendance nous sommes pays qui indépendant nous sommes état qui souverain. Voilà, Farah de Pierre-Louis m'a rappelé ses membres du bureau, ministre qui chargeait citoyenneté et patriotisme. C'est avec lui nous avons fait mise au point ça sous télévision nationale d'Haïti à l'occasion 202 l'année assassinat Papa Nachouan, Jean-Jacques Dessalines, en proche Jacques Ier. Merci tout le monde, sont avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.